Miss Prestige National 2018 qui est Charlotte de Peup, la gagnante du titre / Si les gens du Nord ont dans l'œil sur le soleil qu'il n'y a pas dehors, ils côtoient aussi apparemment les plus jolies filles du pays. Région boudée pendant de nombreuses années dans les concours de beauté, elle décroche à présent quasiment tous les titres. C'est Camille Serre qui avait ouvert le bal en remportant la couronne et l'écharpe de Miss France 2015. Iris Mittener, également originaire du Nord, lui avait succédé et avait dans la foulée accompli l'exploit à Miss Univers, et après une année de pause, Maëva Cook a repris le flambeau dans les Hauts-de-France. Hier soir, une autre nordiste s'est distinguée parmi 25 autres jeunes femmes qui concouraient pour Miss Prestige National, l'élection parallèle créée par Geneviève de Fontenay en 2010. Au bout de 3 heures de spectacle à la Comédie de Saint-Étienne, Charlotte de Peup a été couronnée, avec un immense diadème serti de brillants, et représentera elle aussi le charme à la française cette année. Originaire de Lille, cette jeune femme de 23 ans étudiante en master de management, elle souhaite devenir directrice d'un établissement médico-social, a su conquérir le public et le jury composé de l'actrice de Rebecca Hampton, Julien Lepère et Marie Myriam. La jolie blonde vénitienne aux yeux clairs, malentendante de naissance, a notamment évoqué la question du handicap et de la surdité. D'après, elle a déclaré lors de son discours vouloir mettre son expérience à profit pour montrer aux Français que malgré des difficultés, des différences, on peut réussir, et souhaite ainsi s'investir dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Un bel exemple.